T'as une position bizarre, j'y vais. Tout est comme ça. Est-ce que ça va quand même mort, allez. Filmer. Bon, moi qui aime les nuages, on va être servi. T'as une jolie casquette. Ouais. C'est acheté hier. T'as de belles chaussures. Oui, je sais. J'ai une jolie chaussure. C'est sponsorisé. Ouais. Ça y est. On a vu que ça arrive au jour. Ouais. Voilà. Ça va les copains de montre? Tu vois par contre, moi ce que je fais, c'est que si tu le mets trop loin le bouton, tu vois après t'as un écart là. C'est de le, voilà, sur le mémoire. Ouais voilà. Ouais. Je démarre aussi. Et nous sommes à 1088 mètres. Et 86. Ah ben je suis plus haut que toi moi. Ouais, ouais. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui on est dans les Hautes-Pyrénées au-dessus de... Non, on est à Ardingoste. On va faire... On est bien dans les Hautes-Pyrénées. Et on est au-dessus de Arreau. Arreau, voilà, c'est ce que et je on est dire. Sous les nuages. Oui, et on part en direction du col de Sonnerre pour aller faire le Cap Nestos. Non, le Cap Nestes. Le Cap Nestes. Le pic de Cap Nest. Voilà, Cap Nest ou Cap Nestes, il y a écrit des fois avec un accent, des fois sans accent, donc on ne sait pas. La journée va être longue. Ouais, ça commence bien. Hein. Allez, on y va. On va où? Cap Nestes ou Cap Nest? On va marcher. Déjà, on commence bien. Mignonné là, quelle lumière sur les granges là, c'est chouette. La grange de luxe. Ça va trouver du petit comme bâton. Oh. Je me suis pris un tacle au passage. Alors, sur cette partie-là, la terre est légèrement rouge. On se croirait
sur une veine qui mène au pic d'Anayet. La terre est très rouge là-bas où le Castillaudet a cher. La prochaine falaise, je te le vois. Tu le vois. Ah, t'es l'ami des bêtes, toi. Ouais, j'aime bien les bêtes. Bien cuites. Ça c'est qu'on arrive. On va bientôt rentrer dans la nasse. Je pense qu'on l'a jusqu'au code des sonnaires. Il est magnifique, hein, n'empêche. Il se rafraîchit les patounes. Il y en a un deuxième qui arrive. Attends, je vais juste faire une photo là. Ah, c'est parti. On est dans la fougère. Bonjour. C'est bon, bordel, je vous le dis. On n'a jamais vu autant de chiens en même temps. Ben oui. Deux chiens et deux ânes. Voilà, premier. Putain, c'est humide, c'est pas. Oh, on arrive au niveau du col de Sonnerre. Et c'est le bleu, il est juste au-dessus là. Kilomètres pile. Il y a des sommets. Il y a 30, c'est quoi? Moi j'ai 4,04. Le calme tire, on le voit pas, tu vois. Ouais, il est là-bas. Ah, ben il y a la neige, oui. Ouais. On continue notre progression en direction du Cap Mestès ou du Cap Nest. Quelques plaques de neige sur ce versant, mais rien de méchant et rien qui nécessite les crampons. On arrive à la croix du curé. Donc en fait, cette croix a été érigée en souvenir d'un curé qui s'était abrité sous le rocher pendant un orage avec son chien. Et il a été foudroyé. Et son chien est resté avec lui jusqu'à temps que les gens du village viennent le chercher. Histoire racontée par Madame la maire d'Ardingost, oui. qu'on vient de croiser. Le chien est d'accord avec nous. La fois que tu es passé par là, tu es passé par là. Comment tu peux monter là ? Jolie cette petite cabane. Mer de nuages. Et il nous reste ça à grimper. 200 des plus environ. Bon, derrière moi, c'est en train de se dégager plus. Le Mont Faucon,
pic du Midi derrière. La petite cabane là. Allez, ça va monter un petit peu maintenant. C'est bientôt l'heure des croque-monsieur. C'est quand même fort là. C'est un peu raide. Hein. Ouais, ça y est, on y est. Cap Nest ou Nestès. 1887. On laisse le sommet derrière nous pour aller jusqu'à la petite pointe là-bas, ici, voir la vue de l'autre côté. Général en chef, quelle suggestion vous proposez pour le retour? Oui. Nous proposions avec mon ami Jean-Pierre de c'est moi. Rejoindre le col. Oui. Descendre à la station. Oui. Bon, on ne pourra pas avoir de bière parce que tout est fermé. On reprend le sentier. On arrive à la cabane qu'on a vue tout à l'heure et on remonte au col des sonneurs. Parfait. Ça te va? Oui, c'est tout. Comme bon. Toi, ça fait une mini boucle. Ouais. Plutôt que de faire la descente là un peu raidasse. Et en plus, on peut quitte à, tu vois, même monter peut-être. Oh non, on va pas monter jusqu'à là-bas. Hein. Pas besoin. Hein. Bah, à peu près là, non? Non, pour couper. Ouais. Nous, on était montés par là derrière. Ok. Oui, ça oui après, on n'est pas obligé d'aller sur le parking, hein, tu vois, mais descendre là sur les pierres, là, hop, et reprendre le petit lac et le sentier en bas. Ouais. Allez. Vendu. Allez. Une petite boucle comme ça. JP, est-ce que tu peux marcher là-dessus, voir comment elle est la neige? Mais ça, t'as pas besoin de toi, puis dessus. Ah ouais? Là-bas. Là, tu marches, mon. Ah ouais, si, quand même. Oh, là, tu pars, hein? Oui, oui, tu pars. Oui, tu pars. Visiblement, il y a un trou spéléo là. Il y a un trou spéléo. Ah oui. Il est confortable ton lit? C'est quoi, 580, 200? Oui, j'ai un oreiller bouse et... Un oreiller bouse? C'est plus confortable ça. On est trop bien là. Mais une grande chambre quand même. Thank you.
allez, après quasiment 2 heures. Après quasiment 2 heures passées au sommet, on redescend donc pour faire notre petite boucle improvisée. Car la chante, car la chante, car la chante, car la chante. Non, mais je suis bien entouré, moi, je te le dis. C'est le secondaire du rhum. Du quoi? Bip. Du rhum? Je sais pas. Moi, j'ai entendu parler après. Non, je suis sûr que c'est le chocolat blanc, moi. Ah, ouais. Peut-être, ouais. Ils ont mis des trucs. Le mélange. Le cookies. Le cookies, peut-être, ouais. Les gens, en fait, en force, tous vont vouloir venir avec nous. Ils vont nous voir. Pourquoi? Pour le rhum? Oui. Là, je suis avec les deux Teletubbies. T'as tout l'air ça? Mes Teletubbies préférés. Okay. Allez, bon. Allez-y. Belle route en Marie. Limite dans le cou, hein. C'est beau, hein. Elle est belle cette corniche là. Vraiment très très jolie. Bon, moi j'y vois un cœur. Racine carrée. JP il voit une tête de bélier et Eric il voit racine carrée, donc. Oui, on dirait bien racine carrée quand même. Ah non, un bélier voit le museau avec les cornes qui se barrent. Ouais, aussi, c'est vrai, ça marche. On dirait un cœur qui vole. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Elle est où ton âme de romantique, c'est toi moi, c'est le bâton. Espèce de télétubise, va. Bon, allez, moi je préfère continuer. On va descendre jusqu'à ces barres rocheuses là pour aller voir la petite cabane. Il y en a pas mal. Et on après. Faire plus on descend, plus il y a de la neige. Ils sont chiants. Ils me pourrissent mon plan. Et on va rejoindre le petit lac tout rond là-bas. On voit un lac. On va rattraper la piste que l'on va suivre jusqu'à la cabane maintenant. Allez là-bas la cabane. On reprendra la piste, ouais. Bon, on va voir la cabane de plus près. Et ensuite, on reprendra la piste par là-bas qui mène à la deuxième cabane. Pourquoi on reprend le sentier? Tiens, on va reprendre la piste qu'il y a, mais c'est mieux, non? Ouais. La piste en herbe là. Et si on allait là, tout droit et qu'on longeait à droite là? On arrive au même endroit, non? Non? Oui. Pour éviter de marcher, parce que là, on va dans le reste tout du long. On va être que sur la descente et après ouais. Le sec, je crois. Allez. Des grumes qui flottent. On se fait même des pommes de terre à la braise, tu sais? Oui, dans le papier d'alu. Ouais, papier d'alu avec un peu de gros sel. Et jusqu'à là-bas, hein? Oui, oui, oui. Mais bon, c'est quasi de niveau. Hein, par là, ça descend toujours. Ouais.
Vraiment trop trop sympa ce retour par cette piste. Et en face on a le pic Montour là. On y monte depuis l'antenne. On va continuer la piste jusqu'à la petite cabane qui est là. Et une fois qu'on sera à la cabane, il faudra qu'on rattrape le sentier qui est au-dessus, qui ramène au col de Sommer. Et enfin, on a le l'arbison. Trop mignonne cette petite cabane. Après, peut-être qu'à la mairie de Nistos ou... C'est une grande berger. Ouais, non, mais... Ah ouais? Ça, il y a une sacrée baignoire, ouais? Ouais. Nickel! On le gagne le matin. Mais bon. On a retrouvé le sentier qui nous ramène au col de Sonner qui est droit devant nous. Au final, cette petite boucle, elle était bien sympa. Il y a des jolies roches là-bas. Derrière moi, là-bas, on voit le Cap Nestès sur lequel on est monté. Ouais, apparemment, c'est moche. Eric pousse des cris waouh waouh waouh. Ah, c'est quand même mieux quand c'est dégagé, hein. On va faire un petit peu de droit dans la pente pour descendre, pour couper les virages. Ouais.
rangée bien au plus, c'est moins long, parce que ça va. Ouais, il y a, on dirait, une peluche. C'est peut-être pas un vrai, hein. Bon, ça y est, petit clap de fin pour cette sortie au Cap Nest ou Cap Nestès. On affinera plus tard. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Bon, une jolie découverte pour toi. Très, très jolie. Voilà. On s'est bien régalé. Cette neige de printemps, plaque de neige, herbe, c'est très, très joli. Et au final, on aura fait 15 km. Non, 14. Ah, 14. 860. Toujours plus. Hein. Oui, mais c'est le ressenti, ça. Et 870 des plus. Ouais. Voilà, donc une bien jolie sortie, on a bien pris l'air. C'était ouais, sympa. Ouais. Bien agréable. Hein. Allez, on fait le check. Ouais. Check. Check. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.